J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une astuce beauté. Je vous donne le secret pour avoir des ongles comme ça. Donc n'hésitez pas, restez scotché, faites-le chez vous, vraiment le week-end quand vous avez le temps, faites-le. Sachez qu'on ne vit qu'une fois. Alors je vous laisserai regarder les ingrédients, regarder comment on les applique et on se dit à très vite pour la conclusion. Alors, mes BF, ici vous aurez besoin de 25 centilitres d'eau chaude, d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Moi, j'avais alimentaire. Et vous aurez besoin du jus de citron. Vous allez trouver en bas de description, pardon, l'ensemble des éléments pour notre bain blancheur. Donc, voilà les quantités. Nous allons vraiment utiliser une cuillère à soupe pour pouvoir faire des mesures. Donc, je vais être aidée ici par ma fille qui va m'aider dans la préparation de ce bain blancheur. Donc, en un premier temps, on va donc mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Je précise ici, il faut que votre eau soit chaude. Pas chaude au point de vous brûler, mais il faut quand même que l'eau soit chaude. Donc, nous allons mettre dans notre récipient, dans notre eau. Une fois que nous allons faire ceci, nous allons rajouter une demi-cuillère à jus de citron. Vous pouvez ajouter aussi une cuillère, c'est à votre convenance. Mais ici, il faut une demi-cuillère de jus de citron. Une fois que nous allons faire ça, nous allons remuer l'ensemble et notre bain blancheur sera prêt pour l'usage. Alors, une fois que nous avons préparé ce bain blancheur, nous allons mettre nos ongles dans cette potion magique, c'est comme ça que je l'appelle, afin que nous puissions laisser reposer ceci. Je vous invite ici à laisser reposer une quinzaine ou une vingtaine de minutes et à chaque fois de frotter sur les ongles comme je le fais ici. Vous le frottez, massez tranquillement les ongles et vous replongez. Mais vous devez vraiment laisser opérer ce bain blancheur entre 15 et 20 minutes. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons passer aux soins concrets des ongles. Alors, mes BF, une fois que nous aurons sécher nos ongles, nous allons passer à la phase de soin des ongles. Donc, vous pouvez utiliser ici de l'huile d'olive, de l'huile d'amande pour pouvoir relaxer nos ongles et nos doigts. C'est l'occasion de les masser tranquillement afin de se relaxer. Vraiment, prenez le temps, c'est vraiment agréable. Vous pouvez le faire à la maison. Vraiment, peu importe, prenez vraiment le temps de cela. Une fois que nous avons fini de relaxer, nous allons passer donc à la pose de vernis. Vous mettez la base ici avant de mettre la couleur. Moi, je vais utiliser ici un verre après. Mais c'est vraiment l'occasion de mettre vraiment votre vernis. Faites le choix de vos couleurs. Donc vraiment, je fais cela chaque semaine, chaque fin de semaine si je ne vais pas en institut. Donc voilà à quoi vont ressembler vos ongles. Vous serez prêt pour attaquer l'été pour vraiment avoir des ongles hyper jolis. Donc n'hésitez pas vraiment à reproduire cela. On se trouve pour la conclusion. J'espère que tu as apprécié l'astuce, que tu vas essayer chez toi et que tu me diras en commentaire ce que tu en as pensé. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Reste scotché et surtout sache que la vie reste amour. Au revoir.